qu'on a fait la dernière fois. On avait récupéré donc le super grappin. Comment est-ce qu'on... Ah oui. Ah oui, il était au-dessus du super grappin, donc on a glissé ici. Et qu'est-ce qu'on a à faire? On a plein de coffres à récupérer. Un petit peu de partout. Ok. Bah écoutez, on va y aller. Et oui, mais à côté, on peut pas. Salut Arthur! Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais aller chercher le coffre en dessous. Zelda. Nous sommes de retour. Ouais, voilà. Ah oui, c'est ça. Il faut que je vienne ici. Oui, mais il faut que j'enlève l'eau. Donc, il faut que je remonte au machin. Mais je sais plus où c'est, moi, maintenant. Est-ce que c'est pas ici? Et je sais plus où elle est. La salle où on enlève l'eau. Oh, elle est où, cette salle où on enlève l'eau? Je sais plus, je sais plus. Je ne sais plus. Aïe. Je crois qu'elle est ici, mais peut-être pas en fait. Merde. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et toi, Arthur, comment ça va? Ah, moi qui ai un coffre. Ouais, il y a des coffres par là aussi. J'aurais dû aller chercher l'autre. Je sais plus, je sais plus. C'est peut-être là. Remarquez. C'est peut-être là. Je crois que c'est la bonne route pour aller changer le niveau de l'eau. Ouais, mais lui, il va me saouler. Voilà. Oh. Oh non. Ah. C'est ici. Parfait. Donc je crois que c'est ce qu'il faut faire. Enlever l'eau. Je crois. Vous entendez un bruit d'eau qui s'en va, c'est ça. Et donc du coup, je peux redescendre alors. En vrai, je devrais prendre ça. Ça serait bien plus efficace. Bon, maintenant, faut que je retrouve mon chemin. Ah! Elles ont failli m'avoir. Est-ce que maintenant que j'ai le super grappin, je dois pouvoir récupérer le bazar? Et non, je peux pas. Oh, mais quel enfer. Comment je vais faire? Oh, comment je fais? Mais si, il doit y avoir un moyen de venir, mais alors, par où? Par où, par où? Par là? Je crois pas en plus. Ah si, comme ça. Si, 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 comme ça. J'ai envie d'y croire en tout cas. En plus, je peux récupérer ça que j'ai jamais récupéré. L'anneau, parfait. Et donc du coup, il doit pas être bien loin ce coffre maintenant. Et oui, il faut que j'aille par là. Ouais, c'est ça. C'est cela. Et on fait tout le tour. Oh. Il y a un peu de chance, donjon. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'allers-retours à faire. Ils m'ont pas donné de cœur. Donc là, maintenant, je peux y aller. Ok, très bien. Donc là...
Oui, parce qu'en fait, il fallait faire les deux blocs en haut, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et maintenant, du coup, hop. Et maintenant, je peux passer. Récupérer ça. Hop. Et avec la canne, on fait le deuxième. Et parfait. Et voilà. Et maintenant, il y a un endroit, je sais plus où il est. Il y a un endroit, je sais plus où il est. Et il y a un endroit, je sais plus où il est. On peut... On pouvait passer avec un grappin. Il me fallait le super grappin pour passer. Ah mais si, c'est là-bas. Ça y est, ça me revient. Il va me falloir la canne. C'est juste derrière ici. Évidemment. Salut Bono, je crois que c'est là. Oh, peut-être pas. Je crois que c'est par là. Peut-être que je dis une grosse connerie. Non, ça doit être là, en fait. Je sais plus si c'est à droite ou à gauche. Il y avait un endroit, un grand trou, et avec le grappin, on peut passer. Je crois que c'est par ici. Par contre, je vais prendre le grappin. Voilà, mais non, mais j'en étais sûr, j'en étais sûr. Oh là, mais non, mais non, mais non. Oh, c'est de l'abus. Il me saoule. Donc, on va les shooter. Voilà, merci. Voilà. Je crois que c'est là. Mais maintenant, je peux passer direct en raccourci. Mais je crois que c'est par ici. Sinon, on est dans la merde. C'est pas du tout par là. Ah oui, mais attendez, j'ai plus mon, mon épée maintenant. Hop. Et hop. Le combo gagnant. Ah, c'est là. C'est bien ça. Allez. Mais alors, est-ce qu'il faudrait pas que genre j'enlève l'eau ou un truc comme ça? Que je remette l'eau? Parce que je crois que juste derrière... Attendez, mais qu'est-ce que tous ces machins là? Ah non, ça leur fait rien. Allez, je suis déjà venu là? Non, je suis jamais venu. Ah! Mais c'est pas par là que je viens. Là, c'est pour repartir. J'ai pas une... Ah si, j'ai une clé. Si, j'ai une clé. Ah mais il va y avoir une douille avec, avec de l'eau ou quelque chose, c'est sûr. Et là. Là. Est-ce que c'est pas mieux de faire ça? Quoi? M'énerve le. Ok. Ouais, j'ai pas la clé. Ah, oh, j'ai pas la clé. La drouille, c'est de trouver les clés manquantes. Ouais. Ça, c'est chiant de les trouver. Ouais, je crois que dans mes souvenirs, c'est le jabu-jabu, justement. Plein de gens s'en souviennent à cause du fait... Je crois qu'il fallait faire 50 millions d'allers-retours. Ah, cet interrupteur, on n'y avait pas accès. Donc c'est peut-être bien ça. Alors. C'est peut-être bien ça. Je vous avoue qu'après 2 semaines d'arrêt, c'est compliqué de reprendre en plein milieu du donjon. Vous entendez un bruit d'eau qui arrive. Ouais, mais alors attendez. Parce que de l'eau, j'en ai pas mis là qui arrive. Ici.
Non, là, faut juste que je revienne avec une clé et que je traverse le haut. Ouais, faudra que je revienne plus tard. Donc là, on doit pouvoir partir par là. Ouais, c'est ça. Ah oui, parce que sinon... Ah oui, mais c'est ça. En fait, là, d'ici, tu fais que enlever l'eau. Et tu repars. Et maintenant, j'ai accès avec l'eau remise. Et ouais. Et ouais. C'est malin. C'est malin, mais c'est... Ouais, c'est mal branlé, quand même. Les allers-retours, faut que tu retraverses tout le donjon. Ouais, c'est clairement aujourd'hui, ça serait pas du tout fait pareil, je pense. Parce que là, à chaque fois, faut retraverser tout le donjon, quoi. C'est... Et sinon, Bono, j'avance tranquillement dans Lies of P. Je suis arrivé au chapitre 6. Je joue pas beaucoup, hein. Je joue une demi-heure, une heure. Tous les jours. Oui, je sais pas si c'était une bonne idée, ce que j'ai tenté, là. Je sais pas s'il faut que j'aille d'en bas. Ah, putain, je pense que j'ai foiré mon coup, non? Oh, je le sens pas du tout. Je le sens pas du tout. Et si, c'est bon? C'est bon ou c'est pas bon? C'est pas bon du tout! Là, comment je fais là? Et ouais, là je peux pas passer. Et celui-là je l'ai pas. Là, il faut que je remonte en fait. Oh, je l'ai pas du tout celui-ci. Hein. Moins qu'il y a un truc à faire ici. Ouais, mais ça les tue pas, ok. Là, je me souviens pas. Franchement, là, ça va être un chiable, je sens. Voilà. Et là, on n'est pas venu encore. Et pourquoi ça s'ouvre pas? Oh non. Je vois pas trop ce qu'on peut faire. Ah bah ça. Ah bah ça. Ça on peut. J'ai inversé les touches. Alors attendez parce que là. Le B, le A et le B. Voilà. Quand vous avez une config, gardez-la hein, au niveau des touches. Bon pour l'instant j'ai l'impression. Ici on n'est jamais venu. Si on est déjà venu. Oh. Non, je suis jamais venu là. Ah si. J'ai l'impression que je suis parti un petit peu n'importe où. Là. Ah et ça c'est le début ça. Salut Julien. Est-ce que je me suis pas en train de me faire entour les poules là? Ah mais si, mais là je suis en train de me perdre. À mon avis, c'est pas du tout par là, mais bon. Y a rien qui va de toute façon. Là, je peux peut-être choper le pot, là, par contre.
Donc ça, je pouvais pas le faire avant. Ça se trouve, c'est juste pour rejoindre un endroit que j'ai déjà fait. Hein. Ouais, mais en fait, tu vois, il n'y a rien qui va parce que... Allez, je peux pas bouger avec cette tenue à la con. Oh, mais quelle idée à la con, cette tenue de sirène, franchement. Non. Ça se tue pas, ok. Comment je le tue, ça, au canon? Donc je le tue au canon, sûrement. On va dire. Non, bah, je sais pas à quoi... à quoi on va la tuer. Comme ça. Ok, donc une clé, parfait. Ouais, mais c'est un peu... tu tournes en rond, et c'est du pifomètre, quoi. En fait, le problème, c'est que tu dois traverser 5 fois le donjon dans tous les sens, quoi. Il faut que je remonte là. Est-ce que d'ici, avec un grappin, genre, je peux choper un truc? Et sans râler. Ah, mais ça veut pas... Mais c'est pas parce que tu arrives sans râler que c'est bien fait. Tu peux finir un Souls sans mourir une seule fois, ça veut pas dire que c'est pas un jeu difficile. Mais peut-être que je m'égare. Le fait d'y arriver ou non, sans râler ou en râlant, ou comme tu veux, peu importe. Ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit bien fait ou pas, ou difficile ou pas. Blasphemous 2, j'ai tué le boss en first try, l'avant-dernier. Est-ce que ça veut dire qu'il était facile? Non, pas du tout. Il était pas du tout facile. Tu vois, par exemple, Soldiers, pareil. J'y arrivais bien, sans problème. Et pourtant, il y avait un problème d'équilibre de la difficulté. Ça n'empêche pas. Et c'est pas parce que tu arrives au jeu sans problème que ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on a raté ici, d'ailleurs? Il faut que j'y arrive... Je peux pas y arriver d'au-dessus. Où j'y arrive dessus, hein. Plein de questions. Alors celui-là, c'est une énigme. Ah, peut-être avec de l'eau. En plus, là, si tu veux, c'est même pas dur. C'est juste que tu cherches ton chemin sans arrêt. Et moi, ça fait 2 semaines que je l'ai pas fait, Will. Que j'y ai pas touché. Je me suis arrêté en plein milieu du donjon. Donc 2 semaines plus tard, reprendre le donjon, c'est compliqué. Dans un donjon que tu dois traverser en long, en large et en travers. C'est par là-bas. Rien que pour là, même si j'avais pas fait n'importe quoi, fallait quand même traverser 4 fois le donjon. Fallait quand même faire. Ouais, monter les étages et redescendre 4 fois. Ou 3 fois. 3 fois peut-être. Ce qui fait quand même beaucoup. Mais bon, tu peux toujours m'expliquer que c'est bien fichu. Que c'est génial de faire 4 allers-retours pour rien. Pour une graine gacha, fabuleux. Non, il doit y avoir autre chose au bout. Ah bah non, on n'a pas de clé. Fabuleux. Donc on est reparti pour un autre aller-retour. Ouais, alors là, je suis perplexe. Attendez, mais il y a un autre coffre que j'ai. Ah oui, il y a un autre coffre que j'ai. Ah oui, mais celui-là, comment je le chope? Il me reste celui-là et celui-là. Ouais, mais celui-là, je peux pas y passer. Parce qu'il faut y arriver par au-dessus. Ouais, c'est ça.
Mais il manque deux clés. Ah ouais, faut que je fasse les deux derniers coffres. Alors, il faut que je remette de l'eau. Sûrement. Et que je refasse le tour et que je remette encore de l'eau. Ah mais non, mais je peux pas. Ah mais si, par là, je suis bête. Plus bête. Je sais plus trop, il y a quelques années, je me suis refait tous les Zelda portables sur un 3DS, de Link's Awakening à Spirit Tracks. Je vais être dans de bonnes dispositions, je suppose. Mais non, mais ceux estampillés Nintendo sont plutôt bien fichus, pour le coup. Et celui-là, tu sens clairement que, voilà, jamais Nintendo t'aurait fait faire un, traverser un donjon 10 fois. Alors là, on l'a déjà traversé, même si tu fais pas d'erreur. Si tu fais pas d'erreur, faut déjà le traverser 3 fois au départ, le retraverser encore 3 fois pour la deuxième phase. Attendez, je l'ai, j'ai réactivé ça? Ou j'ai pas réactivé? Oh, je sais plus. Je crois que j'ai activé 2 fois. Hein. Au final, faut le traverser 6 ou 7 fois, facile. Là où j'en suis. J'ai pas le souvenir dans un Zelda traditionnel, estampillé Nintendo, de traverser un donjon 6 ou 7 fois pour choper à chaque fois une clé. De refaire un aller-retour à chaque fois pour une clé. Et refaire encore l'aller-retour. Et refaire encore. Alors, est-ce que par là, on peut y aller? Si c'est pas par là, vu que la porte s'est fermée derrière moi, c'est la merde. Temple de l'eau dans Ocarina of Time. Ouais, mais alors, Temple de l'eau dans Ocarina of Time, il y a quand même des circonstances atténuantes. C'est que c'est le premier Zelda en 3D. C'est les débuts de la 3D, on maîtrise pas forcément bien tout ça. Ok. Donc, on a chopé ça, et maintenant, il me reste laquelle? Comment je remonte là-haut? Ah, il faut que je passe par là. Allez. J'imagine. Attendez, mais je peux aller encore plus bas? À quoi ça me servirait d'aller plus bas? À rien. Hein. Bah, je sais pas comment je vais y aller. Je vais au Ocarina of Time sur GameCube. Mais j'avoue que le temple de l'eau, il est un petit peu... voilà. Il faut reconnaître, quand même. Aïe! Est-ce que je pouvais pas faire des choses ici? Attendez, mais deux salles plus haut. Si, ça doit y aller, là. Ben, j'espère que ça y va. Sinon, je suis énervé. Je suis déjà énervé de toute façon, mais voilà, je le sens pas. Ah! Pourquoi? Non! Ah, bah, il y a l'escalier. Heureusement! Ouais, mais si je vais de là, il n'y a rien non plus. Franchement, c'est. C'est infâme! C'est infâme. Ouais. C'est infâme. Non, là, je monte à l'étage pour rien, là. Oui, là, je monte pour rien à l'étage. Puisque, de toute façon,
je peux rien faire. Ah bah si, ouais, avec le grappin. Ah, je suis con. Je suis con. Ah bah voilà, bah du coup, c'est fini. Putain, moi, je cherchais un système avec de l'eau, putain, mais évidemment. Évidemment. Bah du coup, c'est bon. Je cherchais un système avec de l'eau, c'est pour ça. Bon, après 2 semaines sans faire le donjon, en s'arrêtant en plein milieu du donjon, c'était compliqué. Plus, je viens de me réveiller. Je me suis réveillé pour tout vous dire. Ah, 8h25. On va avoir fait une petite sieste. Donc, épuisé par le dur labeur d'une journée de travail à moins 24 degrés, comme tous les jours, pendant 10-12 heures. Tout ça pour la clé du boss. Je sais même plus comment on y va là, au boss. Par contre, ça, j'ai pas trouvé comment aller au boss. Oh, c'est encore un système à la con pour aller au boss. Évidemment qu'il s'est mis devant. Oh, c'était pas du tout ça. Et le mode écœur. Voilà, très bien. 1, c'est pas mal. 2, c'est mieux. Non. Bon, bah, tant pis. Ah oui, mais... Ah, mais superbe. Bien. Oh, ça marche pas le boomerang sous... Oh, mais non, mais le boomerang... Pourquoi sous les autres objets marche, mais pas le boomerang. Ok. On comprend pas, mais soit. Ouais, ça serait par là, mais Putain, celui-là, j'arrive pas à revenir ici, là. Comment je vais y revenir? Tout à l'heure, j'ai essayé par là, j'y arrive pas. Attendez, qu'est-ce que c'est que cet entourloupe? Là, je peux remonter? Ah, sur ces carrés là on peut. Ah mais j'avais oublié, moi je croyais que c'était que les carrés jaunes. Ah, je me souvenais pas. Ah je croyais que c'était que les carrés jaunes qu'on pouvait remonter. La sirène de merde. Oh la sirène. Ouais je croyais que c'était que les carrés. Je croyais que c'était que les trucs. Ah ouais putain bah, autant pour moi. Bah, pour le coup j'avais complètement oublié. Là c'est moi. Bah, ce n'est point le jeu, c'est moi. J'avais complètement oublié hein, qu'on pouvait. Oh la sirène. La sirène de merde. Ouais. Putain, là, faut pas tomber. Hein. Allez. Le 12 septembre, la dernière fois qu'on a joué. Ah ouais, 14 jours quand même. Je me souviens pas du tout de ce boss. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je peux le changer de couleur. J'imagine que ça fait des trucs. Est-ce que je peux le shooter à l'épée, oui. Bonne question. Ou au canon. C'est chiant, ça, à chaque fois, de changer de machin. Ah, ça le change de couleur. On est bien content. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Comment je peux faire? Hop. Ah ouais, faut que je change de couleur et qu'après je mette un coup d'épée. Ok. Ok, on a compris. Bah, je suppose.
Non, pas du tout. C'est pas les boules qu'il faut renvoyer. Mais j'imagine bien que c'est avec le grappin, mais... Ah, ok. Ok, ça y est, ça m'est revenu. Et où? Il faut faire ça combien de fois? Oh non. Laisse-moi tranquille. Oh, esquive totale. Ouais, on l'a eu. Bon, il est facile. Et ben voilà. Non mais les boss sont pas durs globalement. C'est les donjons, mais les donjons en fait, si vous voulez sur le principe, ils sont bien. Sur le principe. Mais c'est trop mal pensé à l'intérieur des donjons. Comme là, il y a beaucoup trop d'allers-retours. C'est dommage parce que le donjon, encore une fois, mais comme celui qu'on avait fait là où fallait passer d'une époque à l'autre, c'est des super donjons. Franchement, ils sont bien, ils sont bien faits. C'est dommage parce qu'ils ont des belles mécaniques et tout. Hein. Comme là, le truc de l'eau, la mécanique du grappin, tout ça, c'est cool. Hein. Mais trop d'allers-retours qui te cassent en deux. Voilà. Donc, je crois qu'on a toutes les essences du temps. Franchement, ils auraient fait un level design avec beaucoup moins d'allers-retours. Alors, est-ce qu'ils ont été trop ambitieux dans les donjons? J'en sais rien. Et les Twin Rova. Il est trop tard. Bah, si vous savez qu'il y a une Twin Rova, vous savez... Qui sait qu'ils essayent de réveiller. La tour noire a déjà atteint le ciel. Oh, oh, oh. Tu ne peux pas arrêter ça. Ok, bon, c'est ce qu'on va voir. C'est déjà la 8e... 7? 7 ou 8, je sais plus. La tour noire est enfin terminée. Puissance des ténèbres, venez à moi. La puissance des ténèbres est en moi, la force est en moi. J'ai plein de mouches, ils ont fait les foins et... Ils ont mis des vaches aussi à côté, enfin pas les foins, ils ont fait les foins il y a quelques temps, mais... Ils ont mis des vaches du coup. Même sans les pouvoirs de Nairou, je peux contrôler le temps, les ténèbres vont venir, et le désespoir du peuple vient à moi pour alimenter la flamme du désespoir. Oh, 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 oh. Eh bien, soit. Ah, Lightning Strike. Ils ont pris un éclair. Allez, bim, bim, bim. C'est plutôt tolérable de nos jours des choses comme dans le... Ouais, mais voilà, c'est ça. Mais je suis même pas sûr qu'à l'époque, c'était tolérable de faire autant d'allers-retours. Personne ne peut arrêter Véran. Vous serez les spectateurs des flammes du désespoir s'abattant sur le peuple. Disons qu'à l'époque aussi, t'avais pas d'autres jeux à faire. T'en avais qu'un. Donc, t'étais pas pressé, on va dire, de finir le jeu. J'espérais qu'il dure. D'ailleurs, c'était un argument de vente hein, au début des années 2000. Des jeux à durée de vie. On te disait, la durée de vie est de 60 heures. Le nouveau jeu a pas raté, quoi. Je me souviens. Véran de Komodo. Non, c'est Olivier Véran. Sauver Nairou ne sera pas assez. Quoi? Les actions de Véran ont changé le monde, Link. Je n'entends pas la dernière essence. Mais elle doit être quelque part en Labrina. Je compte sur toi, Link. Eh ben merci de toutes ces infos. Bon, ils vont me donner un indice.
Tu as fait beaucoup pour nous. Les mers sont pures. Je t'offre ce symbole de l'héroïsme, l'écaille de Zora. Ah, mais je sais où c'est qu'on va aller. Prononce Véran, plutôt. Ouais, mais nous, on a dit Véran, nous, depuis le début. Nous, depuis le début, on a dit Olivier Varian. Voilà. Ils ont pas la chance. La foutre sur eux. Ouais, bah ouais, c'est comme ça. Vous obtenez l'écaille des Zora. Bah oui, on vient de me le dire. Merci. Tu viens de me le dire qui me l'a donné. Bon, je vais finir un épisode ici.